Nous sommes le 23 juin 2016 au club de golf Ambridge à l'île Bizarre. Je suis avec la grande gagnante Noémie Paré. Félicitations. Merci beaucoup. Comment est-ce qu'on se sent d'inscrire son nom à un tout premier tournoi? Donc vraiment là, être la première championne. C'est très agréable de gagner n'importe quel tournoi, mais déjà gagner la première édition d'un tournoi, c'est comme tu mets la première étampe sur le trophée, tu mets ton premier nom et t'inscris. C'est très inspirant. Ouais. Puis tu mets la barre haute parce qu'on peut dire que tu as dominé tout le tournoi. En fait, depuis la première ronde, tu étais en fait à la première place, deuxième, troisième, quatrième ronde, et là tu finis aujourd'hui championne. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as trouvé difficile? Oui, le terrain était en très, très, très bonne condition. Beaucoup d'obstacles très, très importants. C'est un terrain très stratégique, je trouve. Donc, la stratégie est très importante. Ma difficulté a changé à travers les quatre rondes. Au début, c'était plutôt long game que j'avais la difficulté. Okay. Ensuite, la dernière ronde, c'était plus putting, okay. Mais je m'en suis bien sortie. Ouais. Tu as quand même dominé de 16 points, donc celle qui est arrivée en deuxième place. C'est vraiment un gros écart. Est-ce que tu fais quelque chose de préparé avant un tournoi? J'ai plusieurs compétitions durant l'été, donc okay. J'essaie de ne pas trop mettre l'emphase sur chaque compétition. Une ronde, c'est une ronde, donc enchaîner et essayer de toujours faire de mon mieux. En termes de spécifiques, avant chaque tournoi, mm-hmm. J'ai mes rondes de pratique, mes entraînements. J'essaie de boire beaucoup, beaucoup d'eau quand on a la température comme aujourd'hui. Bon entraînement physique, bon échauffement physique aussi avant de commencer les rondes pour être sûr d'être bien... C'est la clé du succès. Oui, exactement. Et où est-ce qu'on peut te voir prochainement, donc tes prochains tournois? Dans deux jours, samedi qui s'en vient, je joue la classique optimiste pour les juniors. Ensuite, j'ai le provincial amateur qui s'en vient bientôt en juillet, provincial junior. Canadien amateur, Canadien junior. Ouais. Donc, je te souhaite sérieux la meilleure des chances. Merci t'es super beaucoup. Bonne. Tu nous as prouvé aujourd'hui, tu nous as tout impressionné en fait que tu mérites d'être une future professionnelle. Donc, félicitations encore. Merci beaucoup. Merci.